Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier René Descartes en Suède et sa fin de vie. Il rencontre Élisabeth de Bohême, fille de l'électeur palatin détrôné en exil en Hollande, en 1643, et commence une abondante correspondance avec la jeune femme, traitant notamment d'éthique. En 1646, alors que se poursuit la querelle d'Utrecht, il se fâche avec son correspondant, Henri Curogiu, qui offre une alternative matérialiste à la métaphysique et à l'épistémologie cartésienne. Il charge un de ses élèves, Tobia Andrew, de développer ses arguments contre Rogiu. Deux ans plus tard, il publie contre Rogiu une note sur une certaine affiche. L'intérêt et les incessantes interrogations pertinentes de la princesse Élisabeth stimule le penseur qui s'attelle à la rédaction du Traité des Passions, 1649. Faisant trois séjours en France, 1644, 1647 et 1648, il rencontre au cours du second, Pascal, et prétendra lui avoir inspiré ses expériences du Puy de Dôme sur le vide. En septembre 1649, il accepte sur son invitation de devenir le précepteur de la reine Christine à Stockholm, résidant chez l'ambassadeur de France, Pierre Chanu. Dès cette époque naît la rumeur qu'elle a une liaison avec le philosophe, même si cette liaison est peu crédible. La rigueur du climat et l'horaire matinal de ses entretiens avec la reine avant 5 h du matin sont inhabituels aux penseurs et aurait-tu raison, selon la version officielle, de sa santé. Il n'a hâte que de partir au retour du printemps, mais serait mort le 11 février 1650. Toute une mythologie sur les circonstances de sa mort voit le jour dès son décès. L'hypothèse la plus notamment évoquée dès cette époque est celle d'un empoisonnement à l'arsenic. Cette thèse est à nouveau développée par Eppi dans son livre Der Mordfall Descartes, l'affaire Descartes, paru en 1996, puis dans La mort mystérieuse de René Descartes, Der Rätselhafte Tod de René Descartes, désormais traduit en français 2012, de Theodore Hébert. Selon cette version, il aurait été empoisonné par une hostie, contenant une dose mortelle d'arsenic, donnée par l'aumônier François Vioguet, père catholique et missionnaire apostolique de la propagande FIDE, attaché à l'ambassade de France à Stockholm, qui aurait craint que l'influence cartésienne, notamment son refus, comme Luther et Calvin, du dogme catholique de la transsubstantiation, ne dissuade la reine Christine luthérienne de se convertir au catholicisme. Christine de Suède envoie au chevet du philosophe, le médecin Van Mulan, qui note les symptômes suivants dans son compte-rendu: colique, frisson, vomissement, sang dans l'urine. Descartes se fait préparer comme antidote un émétique à base de vin et de tabac, ce qui laisse penser qu'il suspectait lui-même l'empoisonnement. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier René Descartes en Suède et sa fin de vie. Il rencontre Élisabeth.